Salut, salut à tous et bienvenue pour mon tutoriel créatif. Aujourd'hui, je vais réaliser avec vous une boîte et comme je suis, vous avez sûrement déjà remarqué dans les mécanismes pop-up, je vous propose donc une boîte pop-up. Voilà le modèle que j'ai réalisé avec les filles sur Facebook en direct. Et si on tire dessus, voilà qu'est-ce qui se passe. Une petite message qui se présente. Alors, je vais vous remontrer. On tire dessus et hop, le message se met debout. Je trouve ça c'est très très sympa et une super belle effet surprise. Alors, je vais vous dire ce qu'on a besoin pour aujourd'hui. Hop. Alors, cette boîte est peut-être pas tout à fait super super facile. Elle demande un petit peu de patience, mais c'est tout à fait faisable avec un petit peu de patience, je trouve moi. Alors, vous avez besoin de quelques découpes pour le corps. Alors, le tiroir, en fait, un morceau qui mesure 21 sur 16 cm pour le bandeau tout autour, ici en bleu. Aujourd'hui, je suis partie sur un brun qui mesure 13 sur 25,5 et un morceau pour les mécanismes qui mesure 10 sur 13. Deux morceaux dans la même couleur, par exemple, comme votre bandeau. Je vais vous montrer ça. Voilà, ce sont les deux morceaux en bleu là qui mesurent. Identique qui mesure 7,5 sur 5 et un morceau qui mesure idéalement un petit peu plus petit que votre surface de la boîte. Ici, je suis partie sur une taille 6 et demi, attendez. Non. 6 et demi sur 11 et demi. Ok. Mais vous pouvez aller jusqu'au, je dirais, 7 et demi sur 12 et demi. Hein? Pas de souci. Mais je dirais pas plus petit que mon morceau là, parce que celle-ci tient en fait votre ruban pour le mécanisme. So, et dernier morceau qui mesure 3,5 sur 7,5. So, on a tout ça, et après la déco, bien sûr, je vous montre le DSP. Hop, hop là, nia, nia, nia. So. Alors, trois morceaux hein, pour les trois côtés, en dessus et sur le côté. Et le DSP mesure donc 7,5 sur 12,5. Et les deux côtés, 3,5 sur 12,5. 3,5 sur 12,5. Ça, c'est la base. Et après la déco. On commence de faire des plis. Et on commence avec le corps, le tiroir. On va faire des plis à 4 cm tout autour. Sur les quatre côtés. Ça. Continue avec le bandeau. Voilà. Ça. Sur le côté de 25,5 cm, on va faire le pli à 8,1 cm. Alors, il y a des virgules 1, hein, les mesures ont, avec des virgules, parce que j'ai ajouté à chaque surface 1 mm de plus, parce que il faut que le bandeau fait le tour de notre boîte, de notre corps,
Et c'est comme avec les couvercles aussi, hein, vous ajoutez toujours quelques millimètres de plus pour que ça sera sûr que ça ferme et ça ici que ça loge dedans, d'accord? Votre corps. C'est pour ça il faut toujours ajouter quelques millimètres. Donc, j'ai obtenu des mesures avec des virgules. Alors, 8,1, 12,2. Tac, tac. 20,3. Tac. Et maintenant, je fais depuis ce côté-là qui reste 1 cm. Ma languette de colle. Et vous avez bien remarqué, si vous avez fait des calculs, ce dernier partie mesure donc 4,2 cm. C'est pas grave. Comme ça, on a vraiment la sécurité. On est vraiment sûr que ça fait vraiment bien le tour. Ok? Alors, je vous répète. 8 et demi, 8,1. 12,2. 20,3. Et depuis cette côté-là, 1 cm pour que ici, vous avez une largeur de 4,2. Comme ça, j'ai remarqué ça se ferme mieux. Ok. Maintenant, on prend le morceau de mécanisme qui mesure, petit rappel, 10 sur 13. Et on fait sur trois côtés. Alors, un côté de 10 et les deux côtés de 13. Des plis à 1 cm. Que sur ces trois côtés-là. Et après, vous mettez le côté sans languette de colle. Alors, ce sont les languettes en fait. Sans languette, vous le positionnez vers le gauche, vers votre gauche, et vous faites une plie à 5 et demi. Comme ça. Je ne sais pas si vous le voyez. Ouais. Ok, ça. Au niveau du pliage, c'est tout. Alors, on va commencer avec le corps. Sur le côté de 16 cm, vous trouvez après notre pliage, donc trois parties, hein? Deux carrés sur le gauche et le droite et au milieu un rectangulaire. Vous tournez votre papier et on marque le milieu de cette partie-là, de cette partie rectangulaire. Comment on fait ça? On prend tout simplement une règle et on connecte, on fait les diagonales en fait entre les coins de ce diagonale, hein? De ce rectangulaire, je veux dire. Vous voyez? Pas la peine de faire le trait en entière parce qu'en fait nous en cherchons que non, ce point-là qui présente donc le milieu pile poil de notre surface rectangulaire. On va faire la même chose sur notre morceau de mécanisme. On va trouver le milieu sur le rectangulaire qui se retrouve sur le côté sans languette. D'accord? Vous tournez donc aussi votre morceau de papier et on va faire une petite marque. Ça. Ça. Ah, c'était juste, mais je l'ai trouvé là, vous voyez. Ça, c'est ce qu'on a besoin. Alors, soit vous prenez une pince, moi, elle mesure 3 mm, ou aussi un outil comme ça où vous pouvez faire du trou. Hop, parce qu'avec une petite perforatrice comme ceci, je pense pas que vous pouvez faire la distance. Pas sûr, non. Alors, c'est trop court, hein? Avec cette pince-là, ça
Marche, nickel. Ou vous, si vous vous avez, si vous n'avez pas du tout une pince, vous pouvez aussi faire justement un trou avec une outil pointu, hein. Et après, vous passez le ruban dedans, hein. C'est juste plus joli avec voilà, un trou perforé. Mais bon, si vous n'avez pas ça, vous pouvez aussi faire le trou avec un outil pointu. Pareil, on va faire les trous ici sur le point du milieu. Tac. Et voilà. Après, ça, on s'occupe de notre corps. On va refaire des plis. Et on va transformer nos quatre coins en languettes de colle. Vous tournez donc votre morceau avec le côté 21 cm en horizontal et vous. Non? Coupez les coins dans cette direction-là jusqu'au premier pli horizontal. Ok? Et comme ce sont des languettes de colle, on va les biseauter. Pareil sur l'autre côté. Je suis trop haut là. Normalement, je suis trop bas. Aujourd'hui, je suis trop haut. Hop, désolé. Dernier coin. Non. Après, on ferme notre corps comme ceci, hein. Vous le collez les quatre languettes bord à bord avec les côtés, hein. Là, vous pouvez partir sur une colle liquide ou aussi avec des scotch double face. À vous de choisir. Hop. Oh, bon. Tomber, excuse-moi. Hop. Zac. Je fais. Oh. Ça, bord à bord. Pareil ici. Comme ceci. Sur l'autre côté, pareil. On va appliquer de la colle. Hop. De la colle. Et on l'installe à l'intérieur de deux côtés. Dans ce trou là, maintenant on va installer un morceau du ruban du ruban ça, comme ceci. On va passer les bouts dans le trou, hop, hop, hop. Vous voyez, comme ceci, on n'a pas besoin beaucoup, hein. Vous voyez. C'est juste une question pour tirer dessus. Moi, je le colle avec mon sticky tape, pardon. Mon sticky tape pour que ça soit bien costaud. J'espère que ça va aller. Dans le live, je le fais avec
la colle liquide, hein. Vous pouvez le bien sûr aussi faire avec votre colle liquide, aucun souci. Mais moi, je pense, ici, comme on tire beaucoup dessus, hein, ça peut être peut-être plus stable, plus costaud si vous utilisez vraiment des adhésifs vraiment, vraiment forts. Ça. Je le colle dessus, comme ça c'est fixé, vous voyez. Et ce petit morceau de 3,5 sur 7,5, on va le coller ici à l'intérieur. Ça nous sert d'abord pour cacher le ruban. Et après, ça rentre aussi en même temps ce côté-là plus costaud parce qu'on tire pas mal dessus, hein. Ça. Voilà. On espère que ça tient. Hop. Après, on va s'occuper de notre mécanisme. Alors, vous avez les trois languettes sur les trois côtés. On va couper la languette sur la partie avec le trou, hein. Vous vous souvenez, ici, on a de languette. C'est ce côté-là. On va couper à droite et à gauche les languettes. Là, on n'a pas besoin. Jusqu'au pli horizontal. Et on s'arrête là. Après, je biseaute cette languette. Et j'enlève les coins également en biseautant les autres languettes en même temps. Ce sont en fait les languettes de colle. Hop, voilà, comme ceci. D'accord? Et ces languettes de colle, on va plier. Attendez, il faut que je réfléchisse. Non, on va le. Si vous avez une sens dans votre papier, hein, vous le. Ici, j'ai une petite structure. Vous collez, vous pliez les languettes vers le haut pour que cette partie-là se soulève comme ça. Et ça, cette côté-là, on le voit après. Et comme mon papier est un petit peu structuré, je veux que on voit la structure. Donc, c'est comme ceci, d'accord? So. Ce parti-là, on va l'installer sur le parti arrière de notre tiroir, de notre corps, ici, sur le devant. Et on va installer celle-ci vers l'arrière, vous voyez, comme ceci. Je pars cette fois-ci avec aussi du scotch double face. Extra fort, sticky. Hop. Je vais voir si ça fait vraiment une différence. Sac. Hop. Sur les trois languettes. Et hop, ça. Et on va l'installer ça ici. Ah, j'ai oublié. Il faut cacher ça aussi encore. Parce que là, soit vous enlevez ça et vous laissez ça blanc, hein, soit vous le cachez avec un montage. Comme vous voulez. Moi, je le fais. Comme ça, vous pouvez bien voir aussi comment je le fais. Alors, j'ai fait mon trou. Je le couvre donc avec le morceau qui fait joli. So, je l'installe au milieu, centré. Et
Sur l'autre côté, je vois là maintenant l'ouverture de mon trou et je passe, repasse en fait ma pince dans le même endroit pour obtenir le même trou. Vous voyez? Voilà. Comme ça fait plus joli. Hein? À vous de choisir est-ce que vous avez envie ou pas. Vous pouvez bien sûr aussi, comme je dis, enlever ça juste avec votre gomme. Voilà. Alors, on enlève donc notre protection. Je commence avec ce côté-là, d'abord. Hop. Et attention avec le scotch double face. Hein. On peut moins le corriger moins bien que la colle liquide. Hein. Ça, c'est sûr. Il faut qu'on trouve vraiment bien la position avant appuyer dessus. Hop. Ça vous demande un petit peu de patience, mais une fois trouvé, vous pouvez appuyer dessus. So, voilà. Vous avez vu, c'est pas super droit. Hein. Hop. Mais le principal, c'est que vous restez un petit peu au-dessous de votre bord de la boîte. Hein. Vous voyez, et ça, c'est l'inconvénient. J'essaye de corriger du scotch double face. Mais comme c'est plus costaud, je voulais travailler cette fois-ci avec ça. Voilà. Je pense que je pouvais le corriger un petit peu. Ah, ok, ça passe. Ça passe, ça. On appuie bien dessus. Et maintenant, on va faire les côtés. Hop. Ça, de la même manière, hein. Hop. Mais j'ai trop peur. Je fais d'abord un côté et après l'autre. Alors, un petit peu au-dessous de votre bord de la boîte. Vous voyez là. Ok. So. Et troisième côté. Ça, c'est un petit peu tricky de le passer dedans sans rester collé, je pense, là. Ouais. Voilà. Et hop. On vise l'auteur et on colle. On appuie dessus. So, voilà. Ça se présente comme ça. Hein? Ici, devant, on a notre petite tirette et le mécanisme se retrouve l'arrière. Ok. Une fois on a fait ça, on va faire notre bandeau. On va refaire les plis. Et on va fermer la structure. Attention, je le ferme exprès avec notre tiroir des dents pour être sûr que ça fait vraiment bien le tour et que ce soit pas trop serré. D'accord? So, vous voyez, comme ceci. Je vous conseille ça fortement parce que ça m'est arrivé déjà hein, que j'ai fermé mon bandeau hein, sans boîte dedans et bah ça ferme. C'était trop serré. C'est des fois vraiment une question de millimètres et ça passe plus et ce sera dommage. Alors vous le mettez dedans et vous collez. Fermez votre bandeau avec votre structure dedans. C'est comme avec des couvercles, hein? Exactement le même principe. So, ici, je retravaille avec de la colle liquide. Et je fais attention aussi que ce bord avec la languette se retrouve vers le bas de ma structure de la boîte, c'est plus joli, ça. Non? Est-ce que c'est trop serré là ou pas?
on essaye de reglisser notre structure dedans, vous voyez. Ah, j'ai peur. Normalement, ça devrait aller, hein. Normalement. Ça. Si, si, ça marche. Ça marche. Hein? Ça. Ça glisse bien. Il y a assez de place. Ok. Ouf. So, maintenant. Hop. On prend donc notre morceau qui mesure. Qu'est-ce que j'ai dit? 6,5 sur 11,5. Et on va installer du scotch double face ici, une trait de scotch double face super fort là, ici. So. Dans mon live, je fais tous avec le scotch double face et honnêtement, c'est un petit peu difficile après de installer. Hop, on va voir qu'est-ce que ça donne. Ça. So. So. Ce morceau donc nous sert en fait pour tenir le contrepartie de notre mécanisme ici. Dans le côté derrière le haut en fait. Hein. Ça se retrouve comme ça après. D'abord on installe grâce au scotch double face, notre ruban. Je pars sur une ruban blanc. Brun. Ça, je l'installe tout simplement ici. Et après, je vais l'installer ici. Hein, sur le haut de notre boîte. De l'intérieur. Ok? On va l'installer. Ah, ah, ah. Maintenant, il faut décider. Est-ce que je pars sur le col liquide ou pas? Non. Je pense que je vais essayer quand même avec du scotch double face parce que c'est quand même plus costaud. Et comme on tire beaucoup, beaucoup dessus, que ce soit bien costaud. Hein? Ça. Donc, je vais faire comme ça. Alors, pendant mon live, je le fais un petit peu plus compliqué en fait. Mais je me suis rendu compte après, vous pouvez faire ou vous pouvez installer ce morceau-là. Comme je vous montre ça maintenant dans cet ordre-là. C'est un petit peu moins compliqué que la façon que j'ai montré sur mon Facebook Live. Alors, on a installé notre ruban. Hop, hop, hop. Hop. Et on enlève les protections. Je pense que je vais installer aussi du ruban de scotch double face ici sur ce côté. Hop, en croisant mon ruban. Ça. Aussi. Ici, j'enlève. Hop. Oh, je déteste les petits bouts après de mon scotch double face. Ça. Maintenant, on prend notre bandeau. On installe. Alors, ça, c'est mon bas là maintenant. On installe notre morceau comme ceci, le plus centré possible, ça, plus droit possible, même si c'est pas super droit, en fait c'est pas super grave, hein. On fait notre mieux pour que ce soit joli, mais si c'est, vous voyez là, c'est pas super droit, aucun souci. Ça, on a ça là maintenant. D'accord? On prend le corps, on va le rentrer dans notre bandeau. Ça. Ça.
on le avance jusqu'au pli de notre mécanisme. Ça, vous voyez. Et vous passez votre ruban. Voilà, on peut le déjà raccourcir. Et on va passer notre ruban par le trou vers l'avant. Voilà. À moi et des rubans. Ça. Ça va. Ça. Vous voyez. Faites attention que votre ruban reste bien droit, hein. Et là, vous mettez votre partie pop-up bien debout. Et comme ça, vous définissez la longueur de votre ruban. Vous voyez. Et je le fixe tout de suite avec un morceau de scotch double face. Ça. Vous pouvez bien sûr aussi faire le tenir par du scotch, tout simplement, hein. Ça. Parce qu'on va maintenant coller le contrepartie pour cacher le ruban. Ici, le deuxième morceau qui était identique. Mais d'abord, on va voir si le mécanisme marche. Ça pop. Ça pop un petit peu trop là, non? Je dirais trop déçu. Voilà, excusez-moi. Ça. Voilà. Les mécanismes marchent. OK? Et qu'est-ce qu'on a dit? On va cacher le ruban de devant avec de la colle liquide. Ça. J'enlève ça. Et on va centrer le matage. Et voilà. Ça fait joli, ça cache. Donc, le ruban. So, maintenant, le corps est fini. Il nous reste à décorer. Hop. Je prends mon DSP. Je trouve le combo rose-marron super joli, hein. Moi, j'étais toujours fan déjà de cette combinaison de couleurs. Je sais pas vous, mais j'adore, j'adore. Donc. Hop, on va coller ça ici et sur les deux côtés. Si vous voulez, vous pouvez décorer aussi le bas, hein, mais bon.
Finalement, on a accéléré pour la décoration parce que ça devenait un petit peu compliqué, chaotique. Et c'est très souvent comme ça. Moi, je pars sur une petite idée de déco, une vague idée, et finalement, ça donne pas tout à fait ça, ce que j'ai imaginé. Donc, il faut changer, trouver des petits détails pour que ça me plaise. Du coup, j'espère que c'était pas trop long pour vous, mais vous voyez le résultat final. J'ai mis ça un petit peu en hauteur et j'ai ajouté un ruban pour que la surface soit remplie parce que c'est une grande surface et il faut de la déco, sinon ça fait un petit peu bizarre. Moi, je suis très très contente du résultat. Je vous remonte ça et mon message dedans. Avec le gros bisou. Je trouve c'est chouette. Le résultat final me plaise. Vous voyez ma version aujourd'hui plus doux, plus romantique et plus féminine que ma version Facebook. Hein? Vous voyez, et ça, c'est mon but aussi de vous montrer toujours différentes versions d'une création. Si vous voyez par exemple une réalisation sur Internet et la déco vous plaise pas, ça veut pas dire que le projet vous plairait pas. Vous devrez toujours essayer d'imaginer ça avec votre propre goût, avec votre propre déco, et vous voyez, l'aspect peut changer complètement. Alors, moi j'espère qu'avec mes propositions aujourd'hui, je vous ai donné envie d'essayer ça. Comme j'ai dit, il faut un petit peu de patience, mais ça vaut le coup parce que l'effet est super sympa. Il y a des petits détails où on doit vraiment prendre son temps, mais si vous arrivez, vous serez super, super content. Je suis sûre, je suis sûre. Alors, je vous laisse avec cette idée de création, cette deux versions, et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine avec une nouvelle idée. Si cette vidéo vous avait plu, je serais contente d'une petite pouce pour me donner un petit retour. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite de faire ça pour plus manquer un tutoriel, une autre idée de création. Et comme je dis, on va se voir la semaine prochaine pour une nouvelle création. Alors, un gros bisou depuis la Charente et à très bientôt. Au revoir!